son maillot, le nom de Pelé est synonyme de légende du foot. Mais avant cela, Pelé c'est un surnom. Son vrai nom c'était Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Nascimento, bonjour les radioreporters, ça doit pas être de la tarte tous les jours. Edson comme Thomas Edison, l'inventeur de la lampe à incandescence, parce que les parents de Pelé vivaient à Três Corações, une ville pauvre du Minas Gerais au Brésil. Ils y avaient vu comme une bénédiction l'arrivée de l'électricité dans l'entre-deux-guerres. Si Edson est alors devenu Pelé, c'est d'abord en référence à un autre joueur de football, le gardien star de l'équipe du AC Bauru, Billy. Pourquoi un gardien de but alors que Edson jouait attaquant? C'est qu'il lui arrivait aussi d'être gardien pour laisser une petite chance à l'équipe adverse. Si j'étais attaquant dès le début du match, notre équipe gagnait tout le temps. Et l'équipe adverse n'avait plus envie de jouer. Edson était donc surnommé Billy, mais ses amis ont fini par mal le prononcer et Billy est devenu Pelé. Les petits gamins de la rue m'appelaient Pelé. Je me battais avec eux parce que je n'aimais pas ce nom que je trouvais laid. Après, je suis allé à l'école et les mêmes petits m'appelaient Pelé. Je me battais avec eux et j'ai été expulsé pendant 2 jours. Alors, toute l'école a fini par m'appeler Pelé et après toute la ville. Maintenant, j'aime bien le nom. J'aime bien d'ailleurs. Et si en France, le nom du Brésilien le plus connu au monde se prononce Pelé? Pelé. 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 Dans son pays natal, on dit plutôt Pelé. Pelé.